L'importance de tournant 35 vient vraiment du fait que je savais que ça allait être dans les dernières fois. C'est un médium qui n'existera plus ou très peu. Et le 35 mm, il y a quelque chose d'organique. T'sais, j'en ai fait quand même beaucoup en numérique, mais il n'y a rien d'aussi beau et comparable que le 35 mm. Puis pour Ville-Marie, on a fait des comparatifs et la conclusion était encore que c'était beau en 35. De nos jours, c'est tout le temps du vidéo. Là. Je veux dire, c'est beau. C'est tout le temps beau. Je trouve, moi, en tout cas, j'ai souvent vu des belles affaires en vidéo, mais je trouve que le film apporte une chaleur de plus, quelque chose de plus authentique. Tu sais, c'est une longue tradition, c'est centenaire, là, le cinéma. Là. Le film a toujours été là, ça fait partie de cet art-là. Puis là, de le balayer comme ça pour le numérique, tout est numérique. Tout est plate, tout est au même niveau tout le temps. On a perdu le relief, puis le film nous donne le relief. Il enlève la côté qu'il faut être trop parfait. Il y a une manière de faire qui vient avec le 35 mm, ce qui est quelque chose de très sacré et ce qui oblige toute l'équipe à toujours être très alerte. C'est que tu veux pas la gaspiller, ta bobine. Fait que tu fais pas des shots pour rien, tu prépares ta prise. Quand on entend le petit, là, c'est sûr que les acteurs et tout le monde vont te dire la même chose que moi, c'est un élément sacré. 3, 2, 1, action! On dit qu'à Montréal, ça va être le dernier film en pellicule, j'espère que non. Mais peut-être qu'on doit dire adieu à une partie du cinéma qui nous a fait rêver. Et je crois que, j'espère que ce n'est pas le dernier film, au moins dans ce pays. Je considère encore que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et de voir de la pellicule vive à l'écran, de la pellicule danser, ça reste que c'est. Pour moi, c'est quelque chose qui veut encore dire quelque chose.